Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai fait le shopping de Léane avec la marque Yons, parce qu'en fait j'ai découvert cette marque il y a pas très longtemps. En fait ils m'avaient proposé de choisir des vêtements, mais que pour ma chaîne solo, c'était que pour moi. Du coup bah, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne solo, vous l'avez peut-être probablement vu, sinon bah, vous pouvez aller voir. Mais du coup c'est comme ça que j'avais découvert cette marque, et récemment elle nous a recontacté. Du coup je me suis souvenue et je me suis dit que cette marque elle était pas mal. Mais là cette fois-ci j'ai voulu en fait que ce soit que Léane qui ait des vêtements, mais du coup je me suis dit tiens, je vais faire son shopping au pire. Donc c'est bien sûr, elle sait que j'ai fait son shopping, mais elle sait pas ce que je lui ai choisi, donc c'est pour ça elle va le découvrir dans la vidéo. Mais en fait j'avais envie de faire ça parce que je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo unboxing figurine pop, si jamais c'est dans le petit i, si vous ne l'avez pas vu. Mais en fait en tout on pouvait choisir 10 figurines, enfin pour faire gros hein. Et moi en fait j'avais choisi les figurines de BTS, et il faut savoir que vu que les membres sont 7, enfin 7 membres dans le groupe, Léane elle avait eu que 3 figurines à la place du coup. Mais franchement ça lui avait pas dérangé hein, vraiment pas du tout, elle est pas comme ça. Mais moi je me suis dit quand même, elle a été super sympa et j'avais envie de la récompenser, donc pour la peine, je la récompense dans cette vidéo en faisant son shopping et que les vêtements soient entièrement que pour elle. Du coup voilà pour la petite explication. Et du coup le colis il est là, donc c'est un peu une bouboule clairement, mais du coup je vais l'ouvrir et tu vas pouvoir découvrir les vêtements. Par contre je sais pas par où commencer, j'ai peur de... Bon voilà, j'ai ouvert le colis, enfin le sachet. Du coup bon, je vais commencer par ce qu'il y a. T'as l'air d'être un souvenir. Si, c'est juste que je prends au pif quoi. Enfin... Alors, bon attendez parce que... Voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est une robe. Donc en dentelle, comme vous pouvez le voir. On voit la matière. Hein. De couleur, je sais pas trop comment définir. Pour moi, c'est bleu clair, mais après, je sais pas si ça fait pareil. Gris. Ouais, ça fait pareil pour vous à la caméra. C'est. Ouais, c'est bleu gris. En fait, ça existe. Je crois. C'est plus souvent en gris. Je sais pas, moi, je vois du bleu avec, mais. En tout cas, peu importe. Faut savoir que bon quand même je connais les goûts de Léane, donc normalement ça te plaît quoi. Ouais. C'est beau, il y a un petit trou là. Ah oui, ouais, il y a un trou sur le devant. Donc ouais, je pense que ça va bien t'aller. Donc tiens, oui. Essayage et défilé. Défilé, donc est-ce que tu valides cette robe? Ouais, elle est belle. T'aimes bien? Mmh. Ouais. Et niveau confort, ça va? La matière? Ouais, elle est confortable. Ouais, ça va. Mmh. Ok, bah tant mieux alors. Moi, j'aime bien aussi, c'est très mignon. Donc j'aime beaucoup. Et sur ce, je vais maintenant vous montrer le deuxième vêtement. Ici. Donc là, j'ai pris du rouge. Hein. Alors, donc bon, faut savoir que j'ai pris que des robes en fait, la plupart sauf un truc que vous verrez bien sûr, mais la plupart j'ai pris des robes parce que je sais que Léane elle adore ça et ça lui va bien. Du coup, bah, c'est une robe comme ça, rouge. Là, ça marque un peu la taille, je suppose. Ça a l'air un peu grand au niveau de là, non? Bah, bon, au pire, on verra porter. Tiens, essaye.
si c'est grand, comme Léane a dit, c'est grand le haut, c'est parce qu'en fait vous pouvez le mettre comme vous voulez, donc soit comme ça où on dégage une épaule, ou soit après du coup comme ça pour faire pour faire un haut simple quoi. Mais du coup après voilà, libre à vous de mettre comme vous voulez. Mais en tout cas la robe elle est canon, tu valides? Ouais bien sûr, elle est trop belle. C'est clair. Déjà sur la photo elle était très jolie, mais portée c'est encore plus jolie évidemment. Donc niveau confort ça va, la matière a pas l'air... Elle est trop confortable. Ouais ça a pas l'air désagréable, ça a l'air même plutôt confortable. Moi je valide aussi, j'adore. Ah non mais oh. Restez. Bon. Je vais passer à cet article qui d'ailleurs j'ai donné un coup de ciseau sans faire exprès. T'as failli le découper. Du coup on va l'ouvrir comme ça. Hop. Du coup encore une robe, vu que je vous ai dit la plupart c'est des robes. À l'envers je pense. Tu crois? Non, l'étiquette elle est là. C'est parce que vu qu'il y avait un trou là, je voyais des petits traits ici tu vois. Ouais c'est parce qu'en fait il y a des trous un peu partout. En fait donc, ici épaule dénudée comme vous pouvez le voir, ici il y a un peu de dentelle. Donc voilà, le devant, je sais pas si vous voyez, on verra peut-être mieux porter, mais il y a plein de petits trous, donc ici on va tout voir la peau, et il y a aussi dans le derrière, dans le dos, donc ça va être très très joli, et du coup après en bas, bah, c'est comme ça, hein. Donc très original je trouve personnellement, et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur toi, donc tiens, c'est parti. Old walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. The love of... Voilà pour le défilé, en tout cas moi je la trouve trop jolie vraiment, que ce soit de devant ou de derrière, on peut admirer un beau dos. Et c'est pratique, c'est qu'il y a une fermeture aussi sur le côté juste là pour vous aider pour l'enfiler, c'est bien, c'est pratique. De plus en plus je trouve sur les vêtements il y a des fermetures sur le côté, c'est bien je trouve. Mais en tout cas tu valides cette robe? Bah bien sûr, elle est trop belle. Bah ouais, et confortable aussi? Ouais elle est grave confortable. Franchement ouais, canon. Moi je valide aussi franchement. Et sur ce, prochaine robe. Ah, bon, ça doit être une ceinture. Ouais. Alors, en fait ça c'est une robe qui fait un peu blazer en même temps, parce que regardez, je pense que ça se voit tout de suite. Hein. Je trouve ça hyper original ce mélange de robe blazer et je sais que Léane c'est un peu son style, enfin ouais t'aimes bien ça. Encore un peu de dentelle sur les manches. Il y a de la dentelle partout, mais bon, c'est bon en même temps de la dentelle. Ouais j'avoue, ça fait hyper joli je trouve. C'est super élégant et du coup voilà, une robe blazer juste trop trop jolie, et du coup bah il y a une ceinture avec. Donc tiens, tadam, c'est parti pour l'essayage et le défilé. Ok, donc voilà pour le défilé, franchement ça te va super bien. Et en plus c'est tout ce que Léane elle aime, parce que aussi comme vous avez pu le voir c'est des manches évasées comme ça, et je sais qu'elle aime beaucoup ça parce qu'elle déjà elle aime beaucoup les hauts, vous savez les tops, je pense que vous avez déjà vu dans des précédents train haul aux manches chauve-souris, du coup je sais que ça elle aime bien. Donc tu valides? Bah, bien sûr, elle est trop belle. Ouais. Ça a... en tout cas ça a l'air confortable aussi. Ouais, pas tout est confortable hein. Ouais, c'est vrai.
Bah moi je valide aussi du coup parce que c'est hyper original, il y a que de l'originalité. Déjà c'est une robe blazer et en plus les manches en dentelle et en chauve-souris. Que de l'originalité dans cette robe, donc y a rien à dire d'autre. Et sur ce, prochaine robe, ouais. Ok, donc c'est une robe, je pense que c'est une robe plutôt moulante, normalement, si je me souviens bien. Et du coup après, bah, décolleté ici. Donc après je sais pas si vous voyez pour le bas, regardez, il y a des ficelles là, donc ouais je crois que c'est vraiment moulant parce que du coup ça, il va falloir serrer, comme ça ça met bien en valeur bah, les formes et tout ça. Donc tadam, tiens c'est pour toi et let's go. Voilà pour le défilé, la robe par contre, ah j'adore, elle est hyper canon pour l'instant, c'est ma préférée, enfin après attention on n'a pas fini, mais pour l'instant dans ce qu'elle a déjà mis en tout cas, moi c'est ma favorite en tout cas. Ouais pareil. Ah ouais, ouais. Elle est vraiment vraiment belle. Ouais en plus elle est à l'aise. Ouais ça a l'air, mais il n'y a rien à dire sur cette robe, elle est franchement canon, surtout sur Léane. J'ai envie de dire. Du coup, je suppose que tu valides. Hein. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de question à se poser. Moi aussi, je valide à 100%. Et là, je vais lui donner le seul truc que c'est pas une robe. Vous allez voir. Donc, un peu de couleur. Hein, parce que pour l'instant, là, il y en a du noir. Donc, en fait, ouais. C'est un ensemble. Donc, là, vous avez le petit haut. Donc voilà, simple hein, mais mignon. Avec du coup le short qui va avec. Et encore une fois, il y a des ficelles ici. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc pareil, ça va être un peu comme le style bah, du coup de cette robe là, je pense. Hein, du coup, on peut resserrer à sa manière, etc. Donc voilà, je sais pas si t'aimes bien. Ouais, ça a l'air beau. J'aime bien un petit truc comme ça à l'aise quoi. Ouais, c'est ouais, les petits ensembles. Ouais, les petits ensembles à l'aise comme ça, c'est pas mal. Donc c'est parti pour l'essayage et le défilé. Défilé, donc franchement c'est super beau comme ensemble, moi je trouve personnellement. T'aimes bien? Ouais, j'aime trop les petits ensembles comme ça moi. Ouais, bah moi je le trouve super canon, donc tu valides? Mmh, bah ouais. Moi aussi, j'adore, c'est... Franchement il est très très beau. Hein. Donc là, il nous en reste deux, donc... Bon, on fait au pif. Hein. Là, pour cette robe, donc c'est couleur bleu marine. Donc bon, c'est simple, mais après porter, c'est pas la même chose. Et puis, vous pouvez rajouter une ceinture si vous voulez, hein. Bien sûr. Donc voilà, et c'est en tricot la matière. Je sais pas si vous voyez. Bon, ça a l'air plutôt confortable. Donc, allez, au lieu de dormir, là, on va mettre ça. C'est parti. Ouais.
pour le défilé. Alors, est-ce que t'aimes bien porter Ouais, bah ouais, elle est grave belle, c'est comme la Bordeaux. Enfin, après, la matière, elle est un peu moins sauce que la Bordeaux, mais c'est pas gênant, quoi. Ouais, ça va, pas trop gênant. Ouais, hein. Ouais, bon, tant mieux. Alors, si c'est pas trop gênant, ça va encore. Mais ouais, je la trouve mieux portée, parce que c'est vrai qu'en la montrant comme ça, peut-être que c'était trop simple ou quoi. Mais portée, voilà, on voit un peu plus comment elle est. Donc, tu valides ? Bah ouais. Moi aussi, j'aime bien. Et bah là, c'est la dernière. Tintin, l'heureux élu pour terminer cette vidéo. Alors. Ok, donc pour cette dernière robe, on dirait qu'elle ressemble à celle-ci. Parce que même c'est en tricot aussi. Mais là, la différence, c'est que je sais pas si vous voyez bien, ça c'est le haut. Donc, enfin, je sais vraiment pas comment expliquer, mais vous verrez porter. Mais vous voyez, ça fait un peu un col. Et après, enfin, vous la rangez à votre manière, bien sûr. Donc, bah, vous verrez comment Léane elle le met. Mais. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer, mais vous voyez le truc. Je pense que de toute façon, avec le défilé, on verra mieux. Donc tiens, je te laisse l'essayer et elle vous montrera ce que ça donne avec le défilé. Voilà, c'était le dernier défilé. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, du coup là vous avez bien pu le voir pour ce que j'arrivais pas à expliquer là, mais ça donne ça du coup. Est-ce que tu valides ? Bah ouais, c'est limite mon préféré parce que tu vois j'aime trop les trucs comme ça quoi. Ah ouais ? Ouais. Ouais, parce que d'ailleurs j'allais te demander qu'est-ce que t'as préféré dans tout, parce que du coup il y avait 8 articles. Et... Ouais bah du coup celui-là et il a... La noire là avec le fil là, ici. Ouais, je vois celle-là. Ce que tu veux dire, ouais. En fait, les animaux, on a un peu les mêmes goûts quand même parce que c'est ma préférée aussi, celle-ci, donc on est un peu pareil. Hein. En même temps, ouais, comme je l'ai déjà dit en plus des fois on se prête nos vêtements, donc les animaux, on a pas mal les mêmes goûts. Donc c'est pour ça que là, je pouvais faire son shopping parce que je sais à peu près ce qu'elle aime. Et bah, ça t'a plu du coup en général ton vêtement. Bah ouais, toi qui t'es beau, tu connais bien mes goûts. Super alors. Et d'ailleurs du coup le lien du site Yons il est en barre d'infos ainsi que le lien des 8 vêtements du coup. Bon la plupart c'est des robes mais si vous avez craqué sur l'une des robes ou le petit ensemble bah, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Et sur ce du coup voilà pour cette petite vidéo. On espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt.